Dans le fond, on a ouvert ici au CITES une clinique du travail, qui est une clinique spécifique, parce que depuis quelques années, on a une série de personnes qui viennent nous voir pour une pathologie ou pour une souffrance nouvelle, qui a probablement toujours existé, mais qui prend une ampleur très importante. Et depuis ces quelques années, on a ouvert une clinique du travail pour mieux comprendre pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on souffre au travail, pourquoi est-ce que c'est difficile de bien travailler aujourd'hui. Donc l'objectif du projet Réseau Clinique du Travail, c'est d'élaborer une approche clinique spécifique pour les affections mentales liées au travail, en termes de burn-out, de stress, de souffrance relationnelle au travail, de conflits, d'hyper-conflits, d'harcèlement moral, etc. Alors l'idée du projet, c'est vraiment d'arriver, l'objectif final, c'est d'arriver à professionnaliser davantage les professionnels de la santé, les médecins, les psychologues, par rapport aux problématiques de santé au travail, et surtout de santé mentale au travail. Alors pour ce faire, pour professionnaliser davantage ces professionnels de la santé, on a créé d'abord un référentiel de compétences. Donc quelles sont les compétences qu'un clinicien du travail, qu'une personne qui prend en charge les personnes qui souffrent au travail, quelles sont les compétences dont elles ont besoin pour la prise en charge des personnes en souffrance. On va créer des dispositifs pédagogiques, on va créer des formations. On va créer aussi des dispositifs de formation continue, donc on va créer plutôt des dispositifs actifs, de participation active, d'intervision, pour professionnaliser davantage leurs approches, pour leur permettre d'échanger, d'apprendre des autres au niveau de leur prise en charge de leur patient. La personne qui vient ici, j'ai tendance à dire que ce n'est pas elle qui devrait venir, c'est le travail. Donc elle vient parler du travail et surtout de sa difficulté qu'elle éprouve à continuer à être en relation avec son travail. Alors, bien entendu, il y a une méthodologie pour aborder la clinique du travail. C'est l'individu qui vient en premier lieu. Donc, notre idée, c'est d'abord de s'intéresser à lui, mais assez rapidement, de remettre cet individu dans son contexte, c'est-à-dire le contexte généralement organisationnel.